Hotep, salutation divine envers vous. Aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai pu constater dans la semaine, par rapport à la consultation spirituelle de surtout mardi et mercredi, je tiens à parler de la protection spirituelle. Vous savez, on doit se mettre d'accord sur une chose et la transmettre à nos enfants. Parce que se mettre d'accord sur une chose sans transmettre la chose, en fait, c'est du domaine animal. Un être humain doit toujours se rappeler que quand on est conscient de quelque chose, on doit transmettre la chose. Alors, mettons-nous d'accord que tout ce qui se dit à ce 21e siècle, tout ce qui se chante, tout ce qui se passe, tous les enseignements, tout ce qu'on entend, on voit sur les réseaux sociaux, dans les bibliothèques, partout où on peut avoir la connaissance, rien n'est nouveau. Nous, en tant qu'instructeurs spirituels, on ne fait que vous rappeler ce que vous avez oublié. Tout précisément ce que votre âme a oublié. Sinon, il n'y a rien de nouveau. Personne à ce 21e siècle a un enseignement qui est nouveau. On ne fait que vous rappeler ce que votre âme a oublié à cause de l'éducation obsolète que nous donnent nos présidents africains, à l'exception actuellement du Burkina, Niger et Mali. Les gens vont venir encore me dire dans les commentaires, eh oui, vous dites que l'éducation n'est pas bonne, vous avez quel niveau, Je vous dis, on enseigne aux enfants ce qui permet à demain de garder le rang de notre nation. Moi, de 1989 en 2004, jusqu'en 2004, ce que j'ai pu capitaliser comme fabriqué extraordinaire, à part tabourer contre des pièces devant moi, je connais les différentes parties de l'œuf qui ne me sert qu'à faire les omelettes actuellement. Je connais les différentes parties du crâne du chien qui sert à faire Evala. Je connais les différentes parties de la tête du serpent, surtout spécialement le cobra ou la vipère, qui nous sert aujourd'hui à griller, à tuer, à manger le serpent. On ne m'a pas enseigné comment on peut fabriquer l'ordinateur, comment se fabrique une fusée, un avion, un petit hélicoptère, une voiture, quelque chose d'électronique. Aujourd'hui, c'est clair que nos pays, nos présidents doivent rapidement changer notre éducation. Parce que ce qui me fait mal, c'est que moi, je vérifie le cahier de mon enfant. Ma fille qui fait 4e et mon fils actuellement qui fait CE1, je vérifie toujours leur cahier. Ce qui me fait mal, j'ai envie de pleurer. Ce qu'on les enseigne, ce qu'on m'a enseigné, ce qu'on les enseigne. Il n'y a rien de nouveau. Et ça qui est dommage. C'est pourquoi j'ai commencé en disant que mettons-nous d'accord que tout ce qu'on vous dit, rien n'est nouveau. On vous rappelle tout juste des choses qu'on a refusé de vous enseigner. Et que je suis sorti du rang, j'ai eu un enseignement encore plus traditionnel. En commençant par l'Égypte antique. Avant de venir m'implanter bien dans ma culture. Je suis un danseur du feu, je suis un oubo. C'est moi qu'on appelle oubo. Vous savez, quand on veut dire, vous savez, dans le langage français, on peut dire je vais chez un sorcier. Parce que quand il dit je vais chez un sorcier, on peut dire sorcier positif ou négatif. Mais dans ma langue, on ne dit pas je vais chez un sorcier. Parce que chez nous, quand on dit sorcier, c'est ce qu'on appelle usobu. On ne dit pas je vais chez usobu. Non, non, non. On dit chez nous, nous sommes au boche.
Donc vous comprenez que le blanc nous a eu. Et la plupart sont toujours dans ça, en restant toujours fermés dans ça. Alors je vais vous parler de la protection spirituelle. Mais avant de vous parler de la protection spirituelle, je voulais vous rappeler d'une chose, surtout les Togolais. Et les Togolais de l'extérieur. Parce que j'ai un ami qui est en Allemagne qui m'a envoyé un message disant que est-ce que j'ai plus d'informations sur ce qui est en train de se passer à Sotoubwa, à presque 50 quelques kilomètres après Sokodé en allant vers le sud. Parce qu'il a besoin de plus d'informations, il paraît que il y a des meurtres qu'on tue les femmes ou bien les hommes, ou bien on fait comment, et est-ce que j'ai plus d'informations? Parce que lui aussi, c'est un blogueur. Des fois, il parle sur les réseaux sociaux. Il avait besoin de plus d'informations. Je lui ai dit ceci. Tu sais, mon frère, même le préfet de cette préfecture n'a pas plus d'infos que moi. Il n'en a pas. Soyons clairs. Parce que s'il en avait, la population n'allait pas se rouer vers lui pour lui demander des comptes et qu'il y ait des tapages. Puisque selon les informations, on a réprimandé la population. S'il avait plus d'informations, la population n'allait même pas se déplacer. Ce serait déjà fait. Donc, il n'a pas plus d'informations. Ce que moi, je sais, est que cette région de Sotoubwa, moi, en 2002 spécialement, j'ai subi un accident et j'étais en transe. Et dans cette transe, mon grand-père, en tout cas selon mon grand-père, je citais certains noms dans lesquels je disais que après la réunion de Nias, on va les donner à manger au lion ou au crocodile. Et je citais des noms. J'ai même envoyé un de mes rêves dans lesquels j'expliquais que j'avais déjà fait ça en transe. Quand j'envoyais mes rêves à traduire à la radio locale ici à Tchaoudjo, mais on avait lu ma lettre, mais on n'a pas tout lu parce qu'on dit que non, parce qu'il y a le nom de ces autorités qu'on ne peut pas lire. Donc pour vous dire que ce que moi je sais, c'est qu'à l'époque, tous les vendredis, le papa du président actuel prenait son hélicoptère pour aller pour les réunions de sorcellerie. Quand on finit la réunion, toi qui as été diabolique et négatif, il te prend dans son hélicoptère et il va te larguer dans les crocodiles et les lions. Tu seras mangé. C'est ce qu'on sait. Et c'est ce qu'on a pu voir spirituellement. Donc, ce n'est pas une localité au hasard. Et ce qui est en train de se passer, il faudrait que les autorités aillent sur nos chaînes YouTube pour voir ce que nous on a dit sur 2024 avant de laisser le torchon sur lequel on a utilisé pour nettoyer l'essence soit trop proche du feu. Donc, je crois que des fois, on s'amuse trop avec l'ignorance des autres. Je reprends. Des fois, on s'amuse trop avec l'ignorance des autres. Vous croyez que si Hitler avait la connaissance qu'il fallait, il allait croire que c'est en tuant tout le monde, tous les juifs, qu'il sera comme ça? En tout cas, continuez à ce 21e siècle de prendre l'ignorance des autres comme une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse parce que l'ignorant peut se lever, aller incendier la préfecture, quelque part en Afrique ou dans le monde. L'ignorance peut envoyer une bombe atomique. C'est pourquoi la bombe atomique, ce n'est pas une seule personne dans le pays qui tient les commandes. Malgré que Poutine voyage avec ses balises, mais il y a un protocole, il n'est pas le seul. L'ignorance est comme bombe atomique. On s'amuse trop avec la population. Comment on peut, selon les informations que moi j'ai et que j'ai pu transmettre à mon ami, il paraît que c'est les femmes qu'on tue au champ et on prélève les organes. Donc, c'est des enquêtes qu'il faut. Nous, on n'a pas besoin de parler de ça. Mais les enquêtes occultes, c'est quand on nous approche. Moi, personnellement, je le fais. Beaucoup de forces de l'ordre, j'y traite avec eux. Et je ne le fais jamais quand on ne m'a pas appelé. C'est quand on me fait appel que je m'intègre. Et je fais les enquêtes spirituelles à mon niveau. Mais actuellement, on doit fermer nos bouches. Il n'y a que l'autorité qui peut faire des enquêtes, trouver ce qui se passe et expliquer à la population. Mais refuser d'expliquer à la population
considérer la population comme des ignorants qu'on peut piétiner ou bien dire quand on veut, il n'y a pas plus terrible et dangereux que ça. Il faut que cette connerie-là, ça cesse sur la terre. Quelqu'un qui ne connaît pas n'est pas faible. Non. L'ignorance n'est pas une faiblesse. C'est un choix de conscience. Et rappelez-vous de ce qu'un individu peut faire avec l'ignorance. Alors, rentrons maintenant dans le thème du jour, dans notre discussion sur l'arbre à palabres. Quand il dit sur l'arbre à palabres, c'est parce que, vous savez, en Afrique, quand on dit l'arbre à palabres, c'est un endroit où on peut faire des erreurs, revenir ou corriger. C'était une magnifique justice. Mais aujourd'hui, la justice qu'on trouve, c'est celle-là. Je juge, je dis la vérité, rien que la vérité. À la seconde où un mensonge tombe, allez, ce qu'on dit, l'erreur est humaine, n'existe plus, on te condamne. Donc, les termes appropriés pour nos activités, c'est ce thème de sous l'arbre à palabre, je vais vous parler de la protection. La protection spirituelle. Vous savez, la protection spirituelle est une réalité. Un individu peut se protéger bien, très bien même, sans appartenir à aucune église, à aucune école, à aucune école spirituelle, à aucune organisation occulte ni spirituelle. Accepter que Dieu existe, Dieu va lui protéger, ça c'est possible. Mais ce n'est possible que pour ceux qui sont dans le ventre de 9 mois à 7 ans. Il n'y a pas de 0 à 7 ans. C'est ceux qui ne connaissent pas l'occultisme qui dit de 0 à 7 ans. Ce n'est pas zéro. L'âge dans le ventre, c'est 9 ans, 9 mois. Donc, de 9 mois à 7 ans, c'est la fourchette-là que Dieu peut intervenir miraculeusement si vous avez une destinée utile à l'humanité. Parce que rien n'est inutile, tout est utile. Mais si votre objectif est d'être un relais du mal, eh bien, la divinité ne peut pas vraiment vous accompagner comme il se doit. Alors, pour vous dire tout simplement que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, existe et peut nous accorder les protections comme il le faut, à condition que nous ayons le minimum de connaissances sur la nature. Il ne pleut pas n'importe quel moment. Il y a les périodes, il y a les saisons, il y a même quatre saisons, quatre périodes, quatre phases, quatre vérités, quatre floraisons, quatre tempéraments. Donc, il faut comprendre l'univers afin de bénéficier de la protection. Il y a deux sortes de protections qui peuvent tuer celui qui veut vous détruire sans que la personne ne sache que vous avez cette protection sur vous. Il n'y a que deux. Premièrement, c'est ancestral. C'est pourquoi dans le temps, nos ancêtres peuvent aller creuser, enlever le crâne du plus vieux du village, venir placer, et c'est là-bas tout le monde jure. Et tout le monde, comme on connaît les résultats, il y a le droit chemin. Et c'est dans les confréries. Donc ce qui fait que, il y a ce qu'on appelle le rituel de haut niveau des tombes. Quand on fait le rituel de haut niveau des tombes, qui que vous soyez, quand vous voulez nuire à quelqu'un qui ne vous a rien fait, quelqu'un qui a raison de faire ce qu'il a en train de faire, et que vous voulez nuire la personne, eh bien vous risquez tout simplement de vous retrouver à la morgue comme village natal. En dehors de ce rituel, il y a un autre aussi très simple qui n'est pas rituel, mais qui est en réalité un rituel personnel. Travailler sur des vertus. Travailler sur votre aura. Vous savez, à la seconde où, avant de commencer ma vidéo, je me suis d'abord promené sur la couche cette colline-là. Vous voyez là-bas, le caillou que vous voyez posé là, adossé au niveau de l'arbre là, en bas il y a un trou, c'est là-bas qu'on appelle la grotte des Makeru. C'est là-bas que j'étais assis, au moins 24 minutes de méditation. Et dans cette méditation, mon aura a changé. Parce que quand je me concentre sur la chose la plus invisible, je commence par voir jadis invisible. Donc je ne suis plus dans cette société où tout est égo, tout est affaire de importance, importance, importance. Non. Je prononce les mots qu'il faut et j'acquiers l'extase dont j'ai besoin. Et l'extase là, quand elle est utile à ma vie, parce que hier, je venais d'arriver du Tchad. À l'aéroport, j'étais avec une dame enceinte.
qui regardait une vidéo sur TikTok. Vous savez la vidéo qu'elle regardait, la dame enceinte, Santino Raphaël, là où dit, si tu dis oui, on ne va pas divorcer. Parce que j'ai jamais utilisé ça avec ma femme. Et je trouve que c'était moi qui étais là. À la fin de la vidéo, elle disait à Neve, Ignonto. Ignonto. Et elle a encore augmenté cette phrase que je ne veux pas nommer ici, je ne veux pas prononcer ici. Quand elle a fini, j'ai dit vraiment c'est bon, hein, si nous si on pouvait trouver ça. Elle ne m'a pas reconnu. Hein. C'est là-bas qu'elle a dit, elle a commencé à m'expliquer du fait qu'elle est enceinte, mais son mari est carrément porté disparu. Alors que bientôt, elle a trouvé les papiers, elle va aller à l'étranger. Elle va aller accoucher là-bas. L'enfant ne va jamais connaître son papa. Et elle m'a expliqué. Je veux vous assurer que la dame est partie sans savoir que c'était moi qui étais là-bas. Parce que je n'ai pas besoin qu'elle me valorise parce qu'elle m'a vu. Ou bien par hasard, elle regardait ma vidéo, j'étais à côté. Non. Je sais déjà que je suis important pour moi. Je connais mes vertus, je connais mes facultés. Je n'ai pas besoin que quand j'envoie un message, on me dise « Waouh, Ramsès II, tu es extraordinaire. » Je n'ai pas besoin parce que je sais que je suis extraordinaire. Ce que je dois faire tout simplement pour qu'un jour on dise que « Ah, c'est l'enterrement de Ramsès II. » Oh, c'était qui Ramsès II? Hey, regarde, c'est son fils ça. Ah, en bombe. Waouh, c'est qui ça? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Mais mourir, et c'est comme tout simplement hein, un caillou qu'on vient enterrer. Il n'y a même pas quelque chose qui ressemble à ce que vous avez été. Ça passe à la vie. On doit toujours nous rappeler qu'on doit transmettre quelque chose. Alors la protection, tout simplement, c'est votre aura. Et l'aura change selon vos pensées. Si vous avez des pensées positives, vous ne voulez du mal à personne. Mais vous travaillez sur les sept vertus, les sept lumières, les sept jours de la semaine, les sept dieux de la semaine. Ce dieu qu'on appelle Amon-Ra, qui brille comme 13 000 soleils, va toujours vous protéger. Vous n'avez pas besoin de talisman, ni baguette magique, ni bague, ni quoi que ce soit. Rien. Comme un nouveau-né, vous serez protégé, quel que soit votre âge. Donc, c'est pour vous dire que la protection spirituelle est très importante. Je sais pourquoi j'ai pris le thème. Je sais pourquoi j'ai pris cette thématique de sous l'arbre à palabre, la protection. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de protection. Même les plus riches ont besoin de protection. Parce qu'ils savent que il suffit que quelqu'un sache qu'il a comme ça sur son compte en banque. On peut l'en vouloir. Puisque les gens ont tellement d'argent, mais ils ne savent pas comment les autres ont su. Sinon, ils n'ont jamais parlé. Ça montre que, en fait, dans cet univers du 21e siècle, rien n'est rassuré. Donc la protection spirituelle que moi je vous conseille, je vous l'ai toujours dit à zéro franc, trouvez le temps pour aller au lever du soleil. Trouvez le temps comme à l'heure là. Vous voyez, à l'heure là, le soleil est en train de se coucher. J'attends juste que le soleil atteigne à peu près quand il reste 15 minutes pour se coucher. J'éteins ma caméra, je commence la communication occulte. Très simplement comme ça, je n'ai pas besoin d'une plante, d'une racine. Je suis tellement habitué depuis 2009 à toujours le voir lever, à toujours le voir coucher. Avec deux langages différents. Le langage du lever, le langage du coucher. C'est toujours comme ça. Donc, chaque Makérou sait que le soleil pour nous, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Parce que le soleil a plusieurs lumières, plusieurs auras. Donc, travaillez sur les vertus. Et le contraire de ces vertus, vous les connaissez déjà. Les sept péchés capitaux. Et vous savez, Binsfield, un occultiste américain, en 1834, a dit tout simplement que les êtres humains croient que quand on dit les sept péchés capitaux, c'est les vices. Ce n'est pas les vices, non. C'est des esprits en chair et en os qui existent dans la société, qui sont répartis sur lundi, mardi, mercredi. Chaque jour a son diable. Vous qui passez tout votre temps dans des choses négatives, dans des endroits bizarres, eh bien, vous aurez ces entités avec vous. C'est pas parce que j'ai une baguette magique, une bague magique, un collier magique, une pierre magique, quelque chose de magique, que je vais me coucher sur le dépotoir, que je vais faire n'importe quoi. Concentrez-vous sur votre lumière, développez-vous. Et rappelez-vous d'une chose, ne jamais considérer l'ignorance de quelqu'un comme une faiblesse. Ceux qui l'ont fait dans les années 40 ont subi Première et Deuxième Guerre mondiale. Et Troisième Guerre mondiale peut se produire si quelqu'un prend l'ignorance de quelqu'un d'autre comme faiblesse. Et c'est de la même manière pour les coups d'État.
Pour même Tao Tao, c'est la même chose. Donc je crois que le préambule des diatribes n'ont rien à voir avec les racines du baobab. À vous de vous lever et de commencer à agir comme quelqu'un qui veut transmettre quelque chose. On ne vient pas sur faire 800 ans. Non. C'est pourquoi il faut transmettre vite. Il y a des gens qui ne transmettent rien à leurs enfants. Ils sont étonnés que notre Afrique ne change jamais. Sauf ceux qui veulent garder le pouvoir, qui transmettent les vrais secrets à leurs enfants. Pour qu'ils gardent le pouvoir à tout prix. Heureusement que cette chaîne est brisée au Mali. Et Goïta vient de relancer une autre chaîne. Une autre arme généalogique dans laquelle il y a un père spirituel africain qui a mis en place une école de sorcellerie pour le monde entier. Ils n'ont pas tort. L'égrégore doit être remis par le premier responsable. Et Goïta l'a fait. Donc je crois que il est temps qu'on cesse de prendre la population. Il est temps de cesser de prendre la faiblesse de la population comme... Non, l'ignorance comme la faiblesse. L'ignorance n'est pas une faiblesse. Soyez très prudents avec ça. Les catastrophes se sont installées dans les vies des gens, dans les foyers, dans les nations, sur la terre, parce que d'autres ont pris l'ignorance des autres comme faiblesse. Rappelez-vous d'une chose. Il y a des débats qu'on ne peut plus tenir au XXIe siècle. Comme se tirailler sur les religions. Non, ne faites plus ça. Quand quelqu'un fait ça, il faut l'oublier. C'est juste... lui, il est karma, il est roué, il est archaïque. C'est des discussions de 1950-60-40. Actuellement, on ne discute plus de religion parce que c'est clair que il y a des pays, il n'y a aucune église, il n'y a aucune mosquée. C'est des pays où on rêve pour aller. Donc, on doit cesser d'être idiot. C'est pourquoi on nous manque du respect dans le monde. Moi, je préfère être dans un groupe de renavant, être le plus silencieux comme une tombe. Parce qu'il y a des débats inutiles. Des débats qu'il ne faut même pas tenir devant des gens qui sont toujours dans les années 40. Le passé est important. Mais ramener le passé comme l'utilité du présent pour une fondation, c'est que vous avez perdu la tête. Donc, ce qui est important, c'est nos racines. Et dans nos racines, on dit « Maman Tete Djagou, Maman Burkubata, Maman Kpambou Njopon, Anjise, Amboumbi Amé, Akwalkwalbi Amoué. » Voilà, c'est de là que je viens. Donc, je ne suis pas là sur la terre pour m'amuser. Je suis là pour transmettre quelque chose pour que demain, on dise que oui, ça, c'était Ramsès II. Et vous, vous voulez qu'on dise quoi? Et à vous de prendre votre cahier vierge, il n'y a rien dedans. Vous écrivez ce que vous voulez qu'on dise. Ah oui, oh, il était extraordinaire, il nous achetait la boisson. Ah, il était extraordinaire, il avait 15 femmes. Chacun a son choix. Mais ne prenez personne, ne prenez la décision ou la vie de personne comme une faiblesse. Chacun a son choix et ses raisons. Allez, au top. Que les bénédictions divines vous accompagnent.